Là, je lis 5 œufs. J'ai le verre, vous voyez, comme vous voyez avec moi le verre, c'est un demi de beurre et un demi d'huile. Je mets moi deux l'huile. Moitié mélangée au fait. L'huile avec du beurre. Là, j'ai un verre de sucre glace, un verre demi de sucre glace, deux de sucre vanille et un sucre, un paquet de poudre chimique, de la levure chimique. Et ça, c'est pour la déco. Deux, moi je prends deux abricots, je prends les pains vous voulez. Soit l'abricot, soit les fraises, soit comme vous voulez, des confitures. Alors là, je mets deux boîtes de confitures d'abricots et j'ai une boîte coco, ça dépend. Ça, c'est pour la déco. Ça, c'est pour ensuite. Et la farine. La farine, je fais 1 kg. 1 kg de farine. On commence. Là, je commence par les œufs. Ensuite, on rajoute l'huile avec du beurre. C'est de mélange, l'huile et le beurre, moitié-moitié. Par rapport aux mesures, ça c'est les verres à Nutella. Moi j'achète les verres à Nutella, je les garde. Comme ça, si vous achetez les verres à Nutella, petits verres à Nutella. Et comme ça, vous pouvez faire la mesure comme je faisais. Et ensuite, un verre de sucre poudre. Un demi, j'ai un verre demi de sucre poudre. Là, j'ai pas, comme je fais à l'extérieur, on a du bon temps, je profite des bons temps. Donc, ça, c'est une petite cuillère. Une cuillère? Oui, une petite cuillère, mon corps. Là, j'en ai deux paquets de sucre vanille. Je vais mettre un par un. Là, j'ai merci. Comme ça, je relève le reste. Ça reste là. Oh. Voilà, comme vous voyez avec moi. Et la farine avec la levure chimique, je laisse la dernière moment. Donc, là, je commence à mélanger. Chut, Lilia! Je mets tout à la main. Oui, je mets tout à la main. Ce gâteau, les enfants, ils aiment bien. Bah, pour la farine, je mets 1 kg, vous voyez? 1 paquet. Je mets tout. Je vais mettre tout comme ça, vous voyez bien la mesure. Chut! Ça sent bon, oui. Tu vas apprendre la recette aussi, Alice. Tu vas faire la recette avec maman. C'est bien mélangé comme ça. Je commence à rajouter petit à petit ma farine. On mélange bien comme ça.
parce que comme si mes amis sont aussi en France, ils ont demandé de faire la recette en français. C'est pour ça que je partage avec eux en français. Sinon, les Marocains, tous les Marocains presque, ils savent, ils connaissaient cette recette Rechband. Ils appellent Rechband, sinon Anaunta. Et nous, en France, on appelle ça gâteau de boule de neige. Le gâteau, on a dit, vas-y avec toi, on a mis ça à l'école, tu te souviens? On commence à ramasser. Non, plus toi, Yannis. Maman! Alors là, je rajoute ma levure chimique, la dernière moment. Oui. Là, j'ai tout mis les ingrédients. Ah ouais, là, je commence à mélanger petit à petit. Le temps qu'on va voir la pâte souple. Là, je commence à faire des petites boulettes. Regardez, des petites boulettes. Plus c'est petit, plus ils sont jolis. Parce que après, on va mettre une. De confiture de la casserole, comme vous voyez. Confiture comme vous voulez. Si vous voulez de fraises, vous pouvez mettre des fraises. Si vous voulez d'abricots, moi j'ai d'abricots. Si vous voulez d'abricots, vous pouvez mettre des abricots. Ça dépend du choix de personne. Voilà, j'ai mis deux pots comme ça.
Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger sur mes confitures. 2 cuillères à soupe. C'est précisé, 2 cuillères. Voilà. Je vais chauffer mes confitures. On peut se tremper les bolettes. Notre bolette pour qu'on vient de faire cuire. Juste chauffer. Il faut qu'il soit un petit peu tiède, sans mot tiède. Et après, je renverse. Je renverse mes noix de coco ici. Pour voir si c'est chaud ou pas chaud, mettez-le comme ça. Comme ça. Voilà, notre confiture tient. J'arrête le feu. Et je prends mes bolettes. La même grandeur, la même mesure, parce qu'il y en a qui sont plus petits que les autres.